SFM Bâche vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bâche, votre événement, notre engagement. Salut, salut famille, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Héritage de Sœur TV. J'espère que vous allez très très bien. Moi je pète la forme, voilà, je pète vraiment vraiment la forme. Et j'ai envie de dire deux mots à Tiesco le Sultan. Ça sera pas de jus, hein, comme vous me connaissez d'habitude. Je vais placer les phrases là où il le faut. Bon, d'entre deux jeux, Tiesco le Sultan, je te demande, je t'ordonne de respecter les fans de la musique ivoirienne. De respecter tout le monde. Quand je parle de tout le monde, je parle des fans du coupé décalé. Je parle de toi-même, tes fans aussi. Parce qu'apparemment, tu veux nous faire quoi? Quelque chose, nous faire entendre quoi? Tu es très fier de ce que tu as fait. Tu es très fier de ton acte. Tu es très fier de ta brutalité. Ce qui m'a fait rire dans ta vidéo, apparemment, tu es venu faire ta promotion, mais tu n'es pas venu répondre en fait. Tu n'es pas venu donner d'explications. En tout cas, moi, j'espère bien que Pancho a vraiment pris une convocation sur toi. Hein, parce que ta vidéo, là, va te compromettre toi-même. Parce que soi-disant quelqu'un te regarde mal, rentre dans une boîte de nuit ou bien dans un bar parce qu'il te regarde mal, d'après toi il fait le fou, tu lui donnes des paires de gifles, d'après toi tu l'as frappé et tout, tu assumes alors. Aïe 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 aïe. C'est ce que j'ai dit toujours là. Nous on fait vidéo, hein. Voilà. Mais respectez-nous. Ben, vous ne savez pas d'où on vient. Vous ne savez pas qui nous sommes. Voilà. Ce sur quoi vous comptez là, on a dépassé là-bas. On fait juste ces vidéos-là, c'est pas passion. Voilà, donc il m'adresse directement à toi. En tant que garçon même. Parce qu'apparemment, comme je t'appelle mon grand frère, je vois pas de sagesse de grand frère en toi. Donc il va te prendre tel que tu te présentes. Donc comme ça, tu es fier d'avoir eu des échauffourées avec Poncho Legate. Ou même, tu confies même dans ta vidéo que tu l'as frappé. Selon mes sources, vous vous êtes battu. Là, si tu as fait quelque chose même. Le petit, il a pris une convocation contre toi. Ta seule prière là, c'est que le petit tape l'œil. Parce que s'il a vraiment fait une convocation contre toi, tu vas le dédommager, ça fait un. Et puis tu as nimi. Si tu ne fais pas attention, tu t'appelles le rebelle, non? Ta rébellion, là, on voit où ça peut arriver. C'est quoi ces manières là? C'est ça, vous aussi, certains de mes abonnés, ou bien je ne sais pas, les gens qui viennent réellement mes vidéos là. C'est ce genre de choses à vous encourager là. C'est ce genre de choses à vous encourager. Où le mec vient, il est fier d'avoir fait ça. Parce que soi-disant, le petit est rentré dans le bar, il a fait les fous, il le regardait mal. Parce qu'on te regarde mal, tu as tombé sur la personne. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi hier, j'ai fait une vidéo comme quoi pour calmer les ardeurs. Mais apparemment, Tiesco le Sultan est fier de ce qu'il a fait. Donc, tous ceux qui veulent faire sa peau, vous avez le libre champ. Hein? Vous avez le libre champ. Moi, j'ai plus rien à dire dedans. J'ai vraiment plus rien à dire dedans. Et puis, il y a un truc qui est expliqué. Quand tu parles de... Tu mets ta... le petit a mis sa bouche dans ce qui ne le regardait pas. Là. Quand toi, tu as fait une vidéo ici pour attaquer mon artiste de Bordeaux, là. Soit disant, tu lui disais les vérités, là. Il t'a invité dans son clash. Il t'a invité dans son mouvement. Non, je suis désolé. Mais tu t'es permis de faire une vidéo, non? Pour donner ton point de vue, non? On est un pays libre. On est un pays de démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Tant qu'il n'y a pas d'injure là, il est libre de dire ce qu'il veut. Et puis tu n'as aucun droit de lever la main sur quelqu'un ici. Mais tu peux te créer de grosses ennuis. Personnellement même. Tu as fait l'erreur de souvent vouloir tomber ou faire quelque chose à quelqu'un d'insignifiant. C'est là peut-être que ta fille va s'arrêter. C'est un conseil qu'il te donne. Hein. Parce que de toute façon, tu penses que tu es fou. Là. De toute façon, tu penses que tu es trop teub, tu es trop route là. Il y a plus bête que toi. Clair, clair même. Je dis ça clair, clair. Non, parce qu'on s'attendait à une vidéo du genre, excusez-nous, on ne se présente pas bien de voir ça et tout ça, excusez-nous, ça va plus se répéter. Petit Pancho tape l'œil, ça va plus se répéter. Tu viens du genre, ouais. Qui va regarder ta musique? On ne regarde plus jamais ta musique. Boycottage total, c'est moi qui te dis ça. Voilà. Mais les artistes comme toi, brutal, on les encourage pas. On les encourage vraiment, vraiment pas. Qu'on partait sur ma chaîne YouTube. Qui va regarder ta chaîne YouTube? C'est les idiots qui vont regarder ta chaîne YouTube. Tu chantes quoi de bon? Parce qu'on t'encourageait un peu en disant, bon, tu fais de la bonne musique. C'est pour ça que tu as venu te comporter comme ça, là. Il n'y a pas de drap. En tout cas, Pancho, va jusqu'au bout. Moi, il t'encourage. Voilà. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Et il y a des gens aussi qui supportent une personne. Comme quoi, tu les as choisi, tu as provoqué le gars. Il n'y a pas de problème.
Mais ce que moi je te donnais comme conseil, la chose, oh, tu sais ce que tu dis, faut te calmer. Ta base là, on n'a pas dit que tu es tu es truc congolais ou bien tu es zimbabwéen ou bien tu es namibien ou bien je sais pas tu es quoi, tu es rwandais. On sait que tu es ivoirien, mais ta base là c'est la France, ici là c'est la Côte d'Ivoire. Faut te calmer même, faut te calmer, faut vraiment te calmer. C'est pas que les bougons c'est là, c'est le nid des gars bêtes ou bien. Il y en a beaucoup qui sont là. Il y en a William Sidi qui sont là, il y en a la Jamaïque qui sont là. J'ai un fils de Yopougon, j'ai un fils de Yopougon. Il n'y a pas de problème. En tout cas, franchement, excusez-moi de m'être dans cette vidéo-là, mais il a les foutaises. Honnêtement, même. Il a les foutaises. D'après toi, on n'est pas mieux que toi. On n'a jamais dit qu'on était mieux que toi. Si on fait des vidéos-là, c'est plein de conseils. C'est plein de conseils. Voilà. Parce que si on ne devait pas donner des conseils aux gens là, le mot conseil n'existerait pas dans le dictionnaire. Voilà. Donc faut arrêter un peu. Faut arrêter. Arriver à un moment. Tu penses que quoi? Ok, il n'y a pas de problème. On ne parle pas trop. On va s'arrêter là.